Bonjour, je suis désolée d'avoir à parler en français. Really sorry for that. Definition of luxury. Ben, définition du luxe. Le luxe, c'est de pouvoir décider de son propre goût. Ne pas accepter le goût des autres tel qu'il est. J'ai lu récemment que le président de Ferrari, la plus grande marque de voitures au monde, les plus chères, vient de créer un service custom. Pourquoi ? Parce que les gens qui achètent des Ferrari, aujourd'hui, s'aperçoivent qu'acheter une Ferrari n'est pas une fin en soi. C'est que de l'argent. Donc ce qu'ils veulent, c'est la customiser, qu'elle soit vraiment à eux. C'est ça le luxe pour moi. Ce sont des gens qui veulent s'approprier leur propre luxe. Le luxe, c'est aussi une réflexion que je me fais tous les jours à mon bureau. Quel est le prix d'une bouteille d'eau en plein désert? Aucun prix aujourd'hui. Le luxe aujourd'hui, pour nous, en tant qu'éditeurs, c'est la culture. Sa culture. On peut acheter un tableau d'un très grand peintre. Un tableau d'Andy Warhol s'est vendu, il y a 6 mois, 60 millions de dollars. En 3 minutes, quelqu'un a acheté ce tableau. Créer sa propre bibliothèque prend 20 ans. Un très grand écrivain français, Sacha Guitry, a dit un jour « Avec tout ce que je sais, je peux écrire un livre. Avec tout ce que je ne sais pas, je pourrais remplir une bibliothèque. » Le luxe, c'est décider soi-même de ce qui est luxueux pour soi. Ce n'est absolument pas une question d'argent. Un mobile Galaxy de Samsung est un objet de luxe par excellence, plein de technologies, très peu d'argent et on se sent unique. Peu de marques sont des marques de luxe. Une des rares, qui est une vraie marque de luxe pour toute la planète, c'est Hermès. Son DNA est basé sur la qualité de ses cuirs et de son savoir-faire, pas sur la mode qui se démode. C'est très rare. Ce sont d'ailleurs les seuls dont les sacs se vendent plus cher, 2 fois plus cher, en vente aux enchères que dans les magasins Hermès, parce qu'il n'y a pas de waiting list. Château Latour, peut-être le meilleur vin de Bordeaux au monde, est un symbole du luxe. Pourquoi ? Qualité, rareté, très peu de production, et surtout, on entend dire tous les jours, « Désolé, on n'en a plus ». Donc on crée le besoin, c'est ça le luxe. Ma définition du luxe, c'est la rareté. Je dois vous parler aussi de ce que est un DNA. On ne peut pas vivre sans le connaître. Chaque compagnie a son propre DNA, comme nous tous ici présents. Connaître ses propres codes. Qui sommes-nous ? Aller les chercher le plus loin possible. Pourquoi sommes-nous là ? Avoir quelque chose à dire, c'est la chose la plus importante. Ensuite, on les symbolise avec des images très simples et des mots très courts. Quand on a ces images et ces mots, qui sont très courts, on les crie très fort, partout. Et je dis, la réputation, c'est la répétition. Nous avons travaillé ces 10 dernières années, avec mes équipes à New York, sur des dizaines et des dizaines de grandes marques internationales, à la recherche et à trouver leur DNA. Aujourd'hui, nous travaillons également sur les DNA de très grands pays. Pourquoi ? Ils nous demandent de trouver une vision globale pour laisser des traces aux prochaines générations et non pas pour faire plaisir à l'électorat du jour. La grande question aujourd'hui, c'est comment survivre avec le e-book. On m'a posé cette question à peu près toutes les 17 minutes depuis un an,
en disant, mais alors qu'allez-vous devenir? Vous n'avez plus de métier. Que va-t-il se passer avec ces tablettes qui passent partout? Ma seule réponse, c'est que ce sont les imprimeurs qui vont avoir des soucis, pas les publishers. Le contenu est ce qu'il y a de plus important. Amazon, cette année, va vendre plus de livres digitales que de livres papier. Qui aurait pensé ça il y a simplement 3 ans? Je ne peux pas me passer personnellement de mes tablettes pour lire des news partout où je suis dans le monde parce que je voyage beaucoup. Mais j'aime tellement ça, avoir les doigts salis avec de l'encre d'un quotidien et le sentir. Donc la survie d'un e-book pour les publishers de textes, de nouvelles, est un problème pour les imprimeurs, mais pas pour le contenu. Pour nous, évidemment, c'est une chance folle. Pourquoi? Je vais vous le montrer de suite. On a un case study. Voilà. Aujourd'hui, notre survie en tant que maison d'édition de luxe, c'est de dépasser les limites. Nous avons une obligation pour ça. Donc le livre normal tel qu'on le faisait il y a 5 ans ne peut plus tellement se faire aujourd'hui. On est obligé d'apporter un plus énorme qui est tactile, qui est auditif, où tous les sens doivent être en éveil. Les livres comme les nôtres sont des objets de luxe. Nous les éditons en pensant, en les faisant presque à la main. Nous avons des collections où chaque page est collée à la main, où chaque image est collée à la main, où chaque couverture est sculptée à la main. Ce sont des objets complètement uniques et pourtant on les rend d'une manière industrielle pour les distribuer partout dans le monde. On les pense différemment. Les collaborations avec d'autres artisans sont très importantes. Goyard, qui est une marque qui a 150 ans, française, dont je pense que vous connaissez le nom, est une marque de luxe par excellence, a réalisé pour nous un trunk pour pouvoir contenir 100 livres d'une collection de mémoire. Donc c'est un morceau de culture enfermé dans une boîte de luxe. Nous avons fait réaliser par Chanel un coffret pour un livre qui va sortir, qui a été fait par la maison, les ateliers de haute couture de Chanel. Chaque coffret a nécessité 6 heures de travail des meilleures ouvrières d'une des plus grandes marques du monde pour pouvoir contenir un livre. C'est ce qui donne un petit peu de l'odeur. J'ai toujours rêvé de faire un livre sur le chocolat où on pouvait avoir un morceau de chocolat avec pour pouvoir le goûter. Un livre Dior vient d'être fait, je vous le montre tout de suite, le voilà. On vient de faire un livre pour Dior et le livre contient un foulard. Donc nous avons quelque chose de tactile, on a un objet de luxe enfermé dans un livre. Nous avons fait aussi récemment un livre sur les voitures de course et nous avons réalisé le coffret en pneus de voiture par Michelin. Nous venons de faire un livre qui va sortir dans quelques semaines sur la découverte du South Pole. Énorme livre sur l'affaire de Scott qui a découvert, ils sont tous morts en découvrant cette chose hallucinante qui est le pôle Sud. Eh bien, nous avons réalisé un livre que nous avons complètement conçu en papier waterproof. Et le livre sera vendu dans un sac plein d'eau. Donc ce sera un petit peu lourd, mais ce sera la première fois au monde qu'un grand livre illustré sera traité en waterproof. Pourquoi je dis ça? C'est pour revenir à ce que je disais sur le e-book et comment un livre, quand il a quelque chose à dire, doit aller beaucoup plus loin que sa fonction première que d'être juste un livre. Aujourd'hui, notre marque qui vient simplement de l'édition, aujourd'hui, devient une marque globale. Le livre, qui a été la première chose, est ensuite devenu des objets de bibliothèque, et aujourd'hui, nous créons toute la bibliothèque qui va avec le livre. Donc vous voyez, du simple métier d'éditeur de livres, nous arrivons à faire le cercle de 360 degrés et de pouvoir vendre
toute la bibliothèque entière. Donc aujourd'hui, nous avons créé tous les meubles qui vont avec pour pouvoir les vendre entièrement. Cette année, le prestigieux catalogue de Noël de Neiman Marcus, qui est le plus grand catalogue américain, a proposé de vendre une pièce entière avec 250 livres, la bibliothèque, les canapés, les lampes, les bookends pour pouvoir tenir les livres, tout ça vendu en un seul morceau, et ça a été un énorme succès quelques minutes simplement après qu'il est lancé sur Internet. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il est très difficile d'acheter de la culture. On peut tout acheter, comme je le disais tout à l'heure, mais avoir la possibilité d'acheter de la culture est une chose assez rare. L'approche with culture, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Voilà la bibliothèque entière qui a été proposée par Neiman Marcus. Aujourd'hui, en tant qu'éditeur, pour chacun de nos livres, nous créons des événements. Un des événements pour un livre sur le polo qui vient de sortir, ça a été de sponsoriser pendant plusieurs années un team de polo. Encore une fois, c'est pour créer des relations culture-événements. Et pour chacun des livres, nous créons des événements comme ça, comme un livre sur les balles qui sort un petit peu dans tous les pays de la planète. Il y a des événements culturels et mondains qui se créent autour de ça. Je suis prêt à répondre à toutes vos questions si vous en avez pour moi. Je crois que vous n'avez pas de micro. Alors, je vous remercie beaucoup et j'étais très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup.